Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve sur Ultimate Team pour la présentation d'une équipe Serie A. Je peux déjà vous le dire, cette équipe va vous coûter entre 40 000 et 45 000 crédits, en tout cas c'est le prix qu'elle m'a coûté sur Xbox One. Vous la voyez à l'instant, c'est pas une attaque Ibarbo comme vous pouvez le voir les gars. Cette attaque là, franchement j'adore. Di Natale et Rossi devant. Sincèrement, comme vous pouvez le voir, 3 matchs, 5 buts, Rossi très bon, pied gauche, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, c'est peut-être son point faible, mais sincèrement, il est vraiment très bon, c'est un tueur devant le but, je rate très peu d'occasions avec lui, c'est vraiment plaisant. Di Natale à côté, pourquoi Di Natale, pourquoi pas, vous allez dire, ouais, pourquoi t'as pas mis un Ibarbo quoi. Di Natale, j'ai toujours kiffé sur tous les FIFA, à chaque fois, à l'ancienne, je me rappelle, il y a 2-3 ans, je me faisais une attaque Di Natale, Micoli, à l'époque, il y avait encore Micoli, et Micoli et Di Natale, c'était vraiment des perles, surtout Micoli, j'ai toujours kiffé, donc voilà, je me suis dit, je vais reprendre Di Natale. Di Natale, voilà, en 3 matchs, j'ai mis 2 buts et 4 passes décisives avec lui. Milieu gauche, El Shaarawy, pourquoi El Shaarawy, bah, El Shaarawy, j'aime bien, en plus de ça, voilà, il est assez rapide. MOC, Mertens, j'arrête pas d'en entendre parler de lui, donc du coup je me suis dit je vais le tester. Et franchement il est vraiment pas mauvais, il est très réactif, il a une énorme accélération, donc et une bonne qualité de passe, 82 de général, ça suffit. Milieu droit, Biabiany, la vitesse, voilà, je vais pas dire ouais je le choisis parce que voilà il redescend bien, il arrive bien à défendre, non il n'y a pas à dire, si on le prend c'est parce que voilà il a 96 de vitesse, clairement, faut pas se cacher. Donc voilà, mes 2 MDC, N'Golant, voilà, 2200 crédits c'est vraiment donné. Une passe décisive, voilà, après il est plus là pour faire le taf défensif. Marchisio avec lui, défense centrale, ça va être rapide, Ogbonna, Chiellini, Manolas, et dans les buts, Diego Lopez. Sincèrement, Diego Lopez, très bon, moi j'ai vraiment bien apprécié, franchement, c'est rare que j'apprécie des gardiens, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant les gars, il fait vraiment le taf. Donc on est parti pour tester cette équipe Serie A les gars, c'est parti, let's go. Ok, bon, on va pas jouer à domicile, oh j'ai encore mes maillots flingués. J'ai vraiment des maillots. J'ai tout le temps des maillots flingués, les gars. Vous savez pourquoi ça? À chaque match, je me le dis, je me dis, il y a vraiment. Bon, ok. Je me calme. C'est le mec qui s'est calmé direct. Le mec a Ibarbo Quadrado sur le hockey. Bon, allez, les gars, on va tout tenter. On va tout tenter. C'est parti. Let's go. Come on, man. Allez, les gars. Pas chercher à comprendre. Faut remporter le match. Il y a des petites fautes, monsieur l'arbitre. Oh. Wow, ça va être chaud, je le sens, le match va être compliqué. Mais non, t'étais dessus là, arrête. Il est rapide ce petit saut. Oh putain, gardien. Voilà, il est là le petit Diego Lopez, ça fait plaisir. La tête. Le mec est tout petit, il arrive à pécho de la tête. Allez, des Rossi. Rossi. Incara Rossi. Incara Rossi. Ramasse ta jambe, Rossi. Ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Oh, Biabiany. Oh, la vitesse de Biabiany. D'accord. Non, j'avais anticipé. Faut pas le laisser partir Ibarbo. Il va rejouer là-haut. Marchisio. Non, Marchisio, non. Non, Marchisio. Coup de physique, c'est parfait. Oh, la relance dans l'axe. On tacle. On subit. Tout va bien, les gars. C'est dans le plan, c'est dans le plan. C'est chaud, c'est chaud. Tout va bien, tout va pour le mieux. Allez, on est reparti tranquillement, calmement, comme si on devait... Petit pont, comme si on venait pas de subir. Voilà. Donc là, on va redéfendre un petit peu, et puis après, on va repartir. On va attaquer. On va attaquer calmement, les gars. Nine. Tu fais quoi, gardien? Oh là 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 là, les gars. J'ai dit que j'aimais bien ce gardien. Il commence à me faire des dingueries. Il commence à me faire des trucs bizarres. Bien joué. Ouh, dommage El Shaarawy, dommage. Allez, on se réveille. Au moins on a quelques petites occasions. Allez. Ça combine. Allez Mertens. Non, ça bug pas. Pourquoi ça bug? Voilà. Un jeu Mertens. On est bon les gars, 1-0 dans ce match. Bizarrement, pile poil quand j'attaque, là ça bug. Pourquoi ça bug là? On ne sait pas ce qui se passe, ça bug. Je suis tout seul chez moi, je ne télécharge pas, j'ai rien du tout. De toute manière, on joue à l'extérieur. Moi, j'ai pas de joueur qui porte dans la profondeur comme ça. But. Et ouais, c'était sûr. C'était sûr. Oh, il y a hors-jeu, on se calme. Arrête de célébrer, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Allez, c'est parti, let's go. On n'a rien vu, les gars. On n'a rien vu, on mène toujours au score. Je me disais aussi, il était un peu tout seul, lui, là. J'avais vu, je savais ça, les gars. Oh, Di Natale. Oh, Di Natale. Toto Di Natale. Pourquoi ça bug? Non, ça pue. Ça sent pas très bon. C'est bon, tout va bien, on n'a rien vu. Hop là, on récupère le ballon. Et voilà le papy. Toto Di Natale qui est là, les gars. Ça fait plaisir. Petite frappe et but. Bon, il a fait un petit slalom dans la défense, mais c'est parfait, on est bien. 2-0, les gars. Prends ton temps surtout, hein. T'inquiète, je suis pas pressé, hein. J'ai juste lancé un match comme ça parce que je me faisais chier. Putain. Allez, petit changement d'aile. Hop là, on n'a rien vu. Sur El Shaarawy, hop, le 1-2 magnifique. Le crochet, on remet. N'Golant est parti. Non, c'est Mertens. Oh, Mertens, le petit placé, alors là le petit placé dégueulasse. Mais ça j'en mets énormément des buts comme ça les gars. Les petits placés genre sans frappe et tout. Sans puissance je veux dire, sans frappe le... Genre je fais un tout petit placé à ras de terre et ça passe tout le temps. C'est impressionnant. 3-0 les gars, on est bien. On est bien dans le match. Comme quoi, avoir une grosse Serie A. Oula. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Voilà, c'est ça que je déteste les gars sur ce FIFA. C'est que tu fais des tout droits et les défenseurs sont pas attirés. Le mec il a fait juste un tout droit. Et les défenseurs parfois ils sont pas attirés, c'est juste ouf. Et la vitesse est très importante comme on a pu le voir. Il a tapé une ligne droite avec So qui a une bonne vitesse de pointe. Ça aurait été Ibarbo, ça aurait été pire mais voilà, ça rend 3 buts à 1. Mais je voulais dire comme quoi voilà, d'avoir une grosse équipe ne fait pas tout, enfin surtout une équipe assez rapide, bien cheatée. Même si voilà, ça t'avantage énormément sur ce FIFA là d'avoir des joueurs comme Ibarbo, comme Doumbia, comme Ménike, voilà, des mecs qui courent très vite comme ça là, c'est vraiment relou à jouer, très relou. Même les Loïc Rémi et tout ça là, c'est des joueurs cheatés les gars. Bon, on a compris mon gars, hein. T'as marqué qu'un but, hein. Calme-toi. Allez mon gars, je sais que tu peux appuyer sur A. Oh putain, on va se taper même. Vas-y, je tente le coup moi aussi. Wouhou! Rossi! Moi aussi je tente le coup. Le petit placé, moi c'est le petit placé. Voilà, ça passe. Ça passe les gars. Moi aussi je sais le faire mon gars. Allez, la petite célébration de la morsure. Non, me dis pas que tu fais un rage kit là. 4-1. J'ai juste répondu à ton but. J'ai rien fait d'autre. T'as pas le droit de quitter. Tu n'as pas le droit de quitter. Rashkit, pas Rashkit, qu'est-ce qui se passe? Rashkit. Donne-moi victoire. Que se passe-t-il? Victory. Victoire 4-1 les gars. Voilà, là ça fait plaisir. On a remporté ce match les gars. Avec une belle petite équipe de Serie A. Comme quoi voilà, on n'a pas des joueurs ultra cheatés. Surtout que voilà, Rossi, Di Natale, ça court pas extrêmement vite. Mais c'est vraiment 2 bons petits joueurs. Et moi franchement je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette équipe Serie A. Prochainement je vous présenterai une équipe BPL un petit peu hybride, en composition 4-3-3. Je pense que voilà, ça va être une équipe qui va faire très mal. Parce que là franchement il y aura de la vitesse. En tout cas il va me falloir un petit peu de temps pour avoir les crédits, pour pouvoir vous la présenter. Parce que pour l'instant je n'ai pas les crédits. Donc va falloir faire quelques matchs. Et remporter des titres de division pour pouvoir toucher un petit peu d'argent. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite présentation d'équipe Serie A avec voilà, cette bonne petite équipe tout de même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook. D'ici là, portez-vous bien les gars. Ciao, c'était Flo Nox aux manettes.